Thank you.
Ça va? Tu n'as rien? Zenos! Le chasseur est devenu la proie. Mais je ne regrette rien. C'était formidable. Mon plus beau combat. C'est la première fois que je me sens si léger. Léger? Comment peux-tu te sentir léger après avoir commis autant d'atrocités? À quoi bon pleurer les victimes? Un homme doit être prêt à sacrifier sa vie pour mériter d'exister. À chaque souffle que nous prenons, quelqu'un ou quelque chose doit supporter le poids de nos existences. Tout cela n'a plus d'importance. J'ai été l'acteur d'un combat épique. Et c'est justement parce que j'ai mis ma précieuse vie en jeu que j'ai pu atteindre l'extase. Oui, le voilà. Cet instant pour lequel mon cœur a battu des années durant. Je n'ai plus aucun regret. Je peux mourir en paix. Il va se suicider. Je ne vais pas le laisser faire. Adieu, ma première et ma seule amie. Qu'est-il arrivé à Zenos? Il est mort. Il a été vaincu par notre ami, et il a préféré se suicider plutôt que de payer le prix de ses actes. Alors, tout est fini. Zenos nous a fait un dernier pied de nez en se tuant de la sorte. Il a eu la mort qu'il voulait. Jusqu'à la fin, je n'aurais pas réussi à déceler une once d'humanité en lui. C'était un monstre qui ne vivait que pour et par la guerre. Quand je pense à toutes ces personnes qui ont dû choisir entre la liberté ou la mort à cause d'un fou sanguinaire comme lui, franchement, ça me dégoûte. C'est vrai. Mais nous avons triomphé. Arrêtons de penser à lui, et focalisons-nous plutôt sur ceux qui sont toujours en vie. Allez, Liz, bombe le torse, et va-t'en célébrer cette victoire avec tous ceux qui se sont battus pour libérer leur patrie. Je veux que ta voix résonne jusque dans l'au-delà. Oui. Compte sur moi. Si tu n'avais pas été là, nous n'aurions pas pu vaincre Zenos ni remporter cette victoire. Merci. Merci infiniment. Si tu le veux bien, j'aimerais que tu m'accompagnes. Fêtons ensemble la libération d'Alamigo.
Une véritable tempête de sang s'est abattue sur Alamigo. Malgré les nombreuses victimes causées par la spirale de la violence, nous avons réussi à libérer ma patrie. En fin de compte, qu'est-ce que la liberté ? Au cours de ce long périple, j'ai découvert que les humains pouvaient se haïr entre eux, et cela même s'ils partagent des origines et des rêves similaires. L'époque, les liens du sang, l'environnement social, de nombreux éléments rentrent en jeu. Je ne doute pas que Xenos était un bébé aussi innocent que les autres à sa naissance, et pourtant il s'est transformé en une brute sanguinaire, semant la mort et la destruction sur son passage. Les deux décennies de l'occupation impériale ont laissé dans leur sillage une profonde division. Je sais évidemment qu'elle ne disparaîtra pas du jour au lendemain, mais je ne baisserai pas les bras. Je te le promets, Papa Limo. Tous ensemble, nous avons appris que la liberté avait un coût. Pour la conquérir, nous avons dû payer un lourd tribut en vie humaine. Tellement d'hommes et de femmes se sont sacrifiés pour délivrer ce pays du joug de l'Empire. Je veux bâtir une Alamigo qui fera la fierté de tous ses citoyens. Une Alamigo où ceux qui nous ont quittés auraient rêvé de vivre. Et je ne reculerai devant rien pour y arriver. Chaque fin est un nouveau commencement. C'est le cas pour Alamigo. Une longue époque d'occupation et de souffrance est désormais révolue. À présent, c'est une nouvelle ère pleine d'espoir qui commence. This home rests.
Salut. D'accord.